Bonjour, bonsoir à tous, c'est dans la forêt et aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog, un petit day in my life, mais attention filmé au caméscope puisque j'ai acheté un caméscope d'occasion. Voilà, aujourd'hui je vais aller travailler à la bibliothèque sur mon mémoire et faire 2-3 petits autres trucs. J'espère que ça va vous plaire et je commence direct par un petit plan où je vous fais coucou en pyjama et avec mes lunettes évidemment. Mon t-shirt c'est un t-shirt du groupe Garbage, je sais pas si vous connaissez. Après j'ai trouvé ça intéressant de vous montrer la pâte à tartiner Bonne Maman. Cacao était cacao, mais qui est vraiment très bonne, je vous la recommande. Le matin, je joue au mot croisé du Parisien tous les matins, et je joue aussi au jeu du serpent. Si vous ne connaissez pas le jeu du serpent, je vous conseille de le faire, c'est un jeu incroyable, mais là, j'ai fait que mon serpent se suicide parce que bah, j'avais pas trop le time de vous montrer. Mais attendez, regardez, je suis dans le classement du jeu du serpent. Sixième, essayez de me battre, mais essayez! Et là, je joue à Color Tunnel, c'est un autre jeu que j'aime bien. C'est stressant, mais détendant à la fois. Le fait que ce soit stressant et détendant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais là je suis mort parce que... Bah, parce que c'était compliqué de vous le montrer comme ça. Là c'est un petit FPS dans ma salle de bain où je vous montre ma tête. Et après ça je vais mettre mes lentilles. Regardez pas si vous avez peur des gens qui se touchent les yeux. Comme vous voyez, moi, bah ça ne me pose aucun problème de mettre mon gros doigt dans mes yeux là. Et après, bah c'était déjà l'heure de sortir, ce qui ne me fait pas peur non plus. Et je suis allé au Monoprix pour... acheter un déjeuner, mais j'ai pas filmé dans le Monoprix parce que bah, j'avais un petit peu honte. J'ai pas encore l'âme d'un vlogueur, hein, mais ça viendra. C'est en vloguant qu'on devient forgeron, ou l'inverse, je sais plus. En forgeant qu'on devient vlogueur. Petit plan obligatoire du métro qui arrive, c'est obligatoire dans n'importe quel vlog. Et je vous ai montré la scène aussi. Normalement, c'est plus joli que ça, mais là, avec le temps dégueulasse, c'était pas ouf. Et là, je vais à la Sorbonne Nouvelle pour travailler sur mon mémoire. Et je vous montre également un petit jus mangue coco avoine qui est délicieux pendant que je travaille sur mon mémoire qui est donc sur les publics du cinéma d'horreur en France. Je lis un livre et je le prends en note. Si vous me demandez est-ce que tu l'as fait Adam, évidemment que j'ai fait un petit plan de moi qui cliquette sur mon clavier, c'est obligatoire dans un vlog. Et j'étais un peu en train de devenir fou parce qu'en fait j'attendais un mail important pour une réponse à une alternance, donc je faisais que actualiser mes mails. Sauf que après, je suis devenu tellement fou que j'ai cherché comment manifester un email alors que je crois pas du tout à la manifestation. Donc vraiment là, c'était le bout du bout. Et en plus, après, j'ai eu l'email juste après, donc au final, ça a peut-être marché, mais c'était une réponse négative. Mais bon, j'ai essayé de pas me laisser abattre tout ça et de finir mon travail et puis après de descendre déjeuner. Mais là, comme vous voyez, le temps est toujours aussi dégueulasse. Je vous ai montré aussi vite fait ce que j'écoute, c'est majoritairement de l'électro, mais voilà. Après je suis descendu pour manger, ça c'est un sandwich de la marque La Vie qui est vegan et qui est super bon. Et je l'ai mangé en regardant Nathan Snook, c'est un booktuber que j'aime bien. Voilà, avec le petit café. Et aussi je voulais vous montrer un détail rigolo, à la bibliothèque de la Sorbonne Nouvelle, il y a un distributeur de papeterie où vous pouvez acheter des stabilos. C'est pas merveilleux? Après je me suis téléporté dans la 1 pour aller rendre mon livre à la bibliothèque du film François Truffaut qui est donc dans les Halles. Et je suis passé bien sûr par le couloir infernal des Halles pour passer de la 1 aux Halles. Et là après j'étais à la bibliothèque François Truffaut qui est vraiment super sympa, je vous recommande, c'est gratuit l'abonnement juste pour emprunter des livres. Et après moi je suis allé au rayon horreur du coup spécifiquement pour mon mémoire. Et en même temps le rayon horreur il est toujours à côté du rayon X érotique, hein, c'est toujours deux rayons qui sont côte à côte. J'ai trouvé ce livre qui avait l'air intéressant, mais je l'ai pas pris finalement. Et pour mon mémoire, j'ai pris ce livre-là. Mais en vrai, c'est surtout pour m'en moquer. Désolé. Et j'ai pris un autre livre aussi, qui est aussi pour m'en moquer en vrai. Mais bon, j'ai aussi pris un livre pour moi en plus, un livre sur l'histoire du cinéma d'horreur japonais. Puisque je connais surtout les trucs très connus, genre The Ring, The Grudge, mais je connais pas trop l'histoire vraiment de ce cinéma, donc ça m'intéresse d'en apprendre plus. Là, je vous ai fait un petit coucou dans les toilettes, bien sûr, et je vous ai montré un autre truc en rapport avec l'horreur, puisque c'est des instructions pour sortir des toilettes. Là, c'est le néon de LA, mais en fait, c'est le Bershka. Et au Bershka, j'ai eu un bug trop bizarre, c'est-à-dire que j'ai filmé un t-shirt, parce que j'aimais bien le détail du chien sur le t-shirt, sauf que ça a bugué et ça a fait un arrêt sur image sur le chien. Ce qui fait que la vidéo, il n'y a que ça, alors que vraiment, je me suis reculé et j'ai pris en photo, enfin, j'ai pris en vidéo le t-shirt de loin, mais ça a bugué, donc je crois que c'est un chien hanté ou magique. Téléportation à la sortie du RER B pour aller au parc Montsouris. Le parc Montsouris qui est très très beau, mais là avec la grisaille ça rendait pas ouf, j'avoue. Mais j'ai quand même essayé de faire des petites vidéos de la nature qui sont dignes des plus beaux films de vacances filmés au caméscope. Donc voilà, appréciez ça.
Avec évidemment un petit zoom bien flou sur des fleurs, mais moi je trouve que ça a du charme. Hein. Si vous trouvez que ça a pas de charme, c'est vous le problème. Au parc Montsouris, il y a beaucoup de canards et il y a une cygne noire qui est connue et qui s'appelle Julia. Son histoire, elle est triste, franchement. Donc je vous invite à regarder sur Google Julia parc Montsouris. On se téléporte à la maison avec un gâteau aux amandes vegan qui est super bon. Et j'avoue là que j'ai un peu rien fait de l'après-midi. Je suis resté dans mon lit parce que j'étais un peu déprimé à cause de mon refus d'alternance. Donc j'ai commencé le montage de cette vidéo. J'ai un peu relu des trucs pour mon mémoire et j'ai un peu, ouais, j'ai un peu juste rien fait. Là, c'est ma coloc qui me jette un truc dessus et après, c'était déjà l'heure de dîner. On a mangé des nouilles udon au curry avec un panais végétal. C'était super bon. En regardant le juste prix, bien sûr, on adore regarder le juste prix, on adore Eric Antoine. Moi, entre Eric Antoine et Lars von Trier, je ne choisis pas. Après, j'ai été possédé par le démon acheteur et du coup, j'ai scroll sur Vinted. Franchement, j'aime bien cette bague, je sais pas ce que vous en pensez, j'hésite encore à l'acheter là le surlendemain et celle-là aussi. Parce que après mon refus d'alternance, j'avais la fièvre acheteuse, hein. On fait ce qu'on peut et du coup, après ma coloc, elle a mesuré mes doigts pour voir ma taille de bague que je connaissais pas. Sachez que ma taille de bague c'est 60, donc j'ai des doigts fins, mais à peu près comme tous les rois. Hein. Après quelques vidéos, c'était déjà l'heure d'aller se coucher. Enfin, je dis ça comme si j'avais une heure d'aller me coucher, mais non, c'est moi qui décide quand je vais me coucher quand même. Mais en tout cas, j'espère que ce vlog vous a plu. C'était la première fois que j'essayais un format vlog avec la voix off, parce que la caméra, enfin le caméscope, c'est pas possible d'enregistrer le son. Et puis j'aime bien en voix off. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu. Abonnez-vous si vous voulez en voir d'autres. Et là, je vous dis dans le miroir, à la prochaine. Bye!